Ce qui va suivre est un secret d'État, messieurs. Si vous le révélez à qui que ce soit, vous serez poursuivis en justice. Son nom est John Mason, un sujet britannique incarcéré à Alcatraz en 1962. Il s'est évadé en 63. Cet homme n'a aucune identité, ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne. Il n'existe pas. Les secrets ont le pouvoir de revenir vous obséder. Il y a eu une prise d'otage à Alcatraz. 80 touristes. Le rocher est devenu une attraction touristique. L'homme que vous avez formé pour vous défendre devient votre pire menace. Une batterie de roquettes chargée de gaz VX est en ce moment déployée et prête à anéantir toute la population de la baie de San Francisco. Et celui que vous avez abandonné devient votre seul espoir. Vous allez lui parler. Moi? Oui. Bonjour. Je suis un agent du FBI. Je m'appelle Stanley Goodspeed. Je veux bien le croire. Au moins, il sait comment il s'appelle. Tout ce qui sépare une cité du désastre. Le pouvoir de ces substances dépasse tout ce que vous imaginez. C'est pour ça que vous venez avec nous. C'est un homme qui n'a jamais assisté à un combat. Vous êtes un petit génie en chimie. Je suis même un super génie, c'est vrai. Et un autre qui a été contraint à l'inaction pendant 30 ans. Faites-nous voir sur les plans. Je regrette. Moi, mon plan, je l'avais là. Heureusement, certaines choses ne s'oublient jamais. Mais ne soyez pas inquiets. Ça va me revenir. De Don Timpsons et Jerry Bruckheimer, les producteurs de Top Gun et À la poursuite d'Octobre Rouge, et Michael Bay, le réalisateur de Bad Boy. Bienvenue à Alcatraz. Sean Connery. Vous êtes sûr d'être à la hauteur? Oui. Nicolas Cage. Écoutez-moi, je ne suis qu'un biochimiste. Alors si ça vous ennuie pas, arrêtez de me prendre la tête! Ed Harris. Feu. Tenez-vous prêts, ça va secouer. Rock.